Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Elite. Aujourd'hui, épisode numéro 32. Épisode numéro 32, on va aller se faire une sous-espèce. Alors, il faut que je retrouve la caisse, je crois que c'est ici. Voilà, Copper Blanconga dans le désert. J'ai pris la bonne quête. Attendez. J'ai pris la bonne quête. Tiens, je commence bien l'épisode. J'ai pas joué depuis genre un mois et demi. Là, le dernier épisode, je l'ai tourné il y a plus de 2 mois. Et je me souviens plus de rien. Tombé. Ouais, c'est bien celle-ci. Ouais. Ouais, vu que j'ai pas fait celle-là. Je vérifie une dernière fois. Désolé hein, si je vous fais perdre du temps. Ok, c'est le. Ouais, c'est bon, je me souviens. C'est le Cooper Bankonga dans le désert noir. Alors du coup, ce que je viens de dire, c'est que j'ai pas joué au jeu depuis genre 50 ans, donc j'espère que ça va aller. Donc on commence dans le désert. Je commence par me faire shooter par un Acephalos. C'est quoi ce bruit? J'ai plus l'habitude de jouer au jeu. Mais bon, je me souviens encore de ce qu'il fait, Copper Blanconga, donc ça devrait aller. On va accélérer. Et je crois que j'ai le son un peu trop fort du jeu de mon oreille, mais bon, on fera avec. Ah, il est là-bas. Donc le Copper Blanconga. J'ai ma mère qui vient de s'éteindre. Tu te fous de ma gueule? Oh, cet épisode, j'ai pas tourné depuis 2 semaines, 2 mois si je me souviens pourquoi. Ok, on va jouer. J'ai arrêté de jouer avec le joystick pour tourner la caméra déjà. J'ai récupéré ce qu'il a fait tomber. Donc le Copper Blanconga, c'est une sous-espèce du Blanconga. Qui a apparu que dans le jeu d'ailleurs. Ouais, qu'il a quelques attaques différentes. La plupart de ses attaques différentes, c'est surtout au niveau du... de ses lancers. C'est pas un monstre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est plus trop ultra chien formé. Là, je rebondis dessus, là. Ok. Alors le marteau que j'ai toujours la même armure Lavaziote du dernier épisode. Alors, vous voyez qu'il lâche pas ses boules comme tout le monde. En fait voilà, il va sauter en l'air. Alors pas cette fois. Mais il peut lancer. En fait il a plusieurs manières de lancer. Il a plusieurs lancers maintenant. Voyez. Au lieu de lancer une boule en l'air, il la lance genre devant vous, quoi. Un peu comme un T-Rex, mais une seule grosse boule. Sinon, il peut les tirer en l'air. Mais genre, quand il fait ça, il saute. Parce que le Blanconga normal le faisait pas. Or, ça, c'est dangereux. Ce qu'il fait, c'est qu'il saute en l'air, avec un rocher, il vous le lance dessus. Après, je crois que le reste des différences qu'il a par rapport au Blanconga normal, c'est au niveau de ses statues, parce que du coup, il fait pas la glace. Alors du coup, comme le Blanconga normal, si vous voulez lui péter ses crocs, il vous faut une arme de glace, c'est ce que j'ai. J'ai le marteau de glace de rangée amélioré au max. D'ailleurs, pour l'améliorer au max, il faut beaucoup de parties de Blanconga. Okay, ça touche loin. Alors, il y a son attaque de souffle dont j'ai pas parlé. Son attaque. Oh, vous voyez qu'il lance 5 boules devant lui aussi, des fois. Son attaque de souffle, il faut que j'en parle. Alors. Je vais essayer de pas me faire toucher par elle, donc je vais pas me laisser faire toucher exprès, mais elle vous inflige un KO instantané. Vous voyez, Pierre, il la lance.
En fait, il vous... quand il vous souffle dessus, vous faites toucher, vous allez vous faire toucher par plusieurs petits coups. Et ça va trigger. Vous serez... En fait, c'est un KO garanti. C'est pas un KO, un étourdissement. Vous voyez, quand vous avez les étoiles devant la tête. Voilà, celle-ci. Si vous faites toucher par ça, c'est étourdissement. Et vous faites toucher par sa prochaine attaque la plupart du temps. Mauvaise idée. Vous voyez, parce qu'il y a toujours il y a toujours la boule qui se sépare. Oui. On va pas me toucher là, c'est bon. Arrête, s'il te plaît. Est-ce que je prends une potion max? J'ai passé mes deux derniers mois à jouer à Monster Hunter World, donc je suis un peu perdu. Stun. On mâche. Vous savez quoi, je vais juste changer de zone pour me soigner. Ça a l'air d'avoir une grosse hitbox ce truc. Je vais prendre mon stack à points pour se mettre bien. Ok. Ça fait mal un peu. La première fois que je l'ai affronté, comment j'en avais chié. Je crois que j'ai fini la quête, il restait même pas 5 minutes au timer. Super. Très mauvais souvenir. Ah, je peux rien faire. Oh, je vais totalement perdre la quête et recommencer l'épisode, je le sens. C'est toujours comme ça quand je reprends Free Dominite. Ouais, de toute façon, en plus, je crois que c'est la dernière quête clé que je vous ferai avant la quête urgente. Change de zone, ce con. De ce côté-là, c'est la zone 9. Les jeunes prêts qui vont pas aider là. Ok, le deuxième coup a touché. Alors, ça aurait été les 5 boules, j'aurais été dans la merde. Hein. Voilà pourquoi. Je vois rien. J'aurais pas dû, si j'ai bien fait de Superman Dive. Je vais essayer de passer derrière lui et rentrer dans la zone pour me soigner. Dégageons. Oh là 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 là, comment c'est mal ce combat. Bon, il s'énerve vite, ça veut dire que je lui fais pas mal de dégâts déjà. En plus, il a une des meilleures katanas du jeu, donc c'est un monstre qu'il va falloir farmer si vous jouez katana. J'ai essayé d'esquiver, ça n'a pas marché. Je viens de revenir, putain! J'avais oublié cette caméra. Oh, mon chat qui vient de me soigner, merci.
me faire une potion. Ça va pas toucher! Pas changer de zone comme ça. Essaye de me soigner encore une fois. Enfoiré! C'est une attaque spéciale ou les enchaînes? Non, non. Il y a une animation différente sur ces lancers de rocher, j'ai l'impression. Ouais, je vais quand même caler mon attaque. Du coup, au niveau des parties cassables, c'est les mêmes que le Blanconga. C'est Crow avec l'élément glace et sa moustache. Ok, mon chat a posé un piège. Ouais. Attends, tu carries un peu trop là, je suis trop loin. J'ai plus de tranchant, il faut que je m'en occupe. Il m'a raté. Il faut que j'aiguise. Normalement, j'ai le talent pour aiguiser vite sur ce set. Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que ça sert à rien de le marquer, lui. Il peut s'enlever le marqueur. Oh, je déteste ce coup en arrière. Ok, là j'aurais pu crever, il est allé me prendre en dessous de lui. J'ai changé de zone parce que je le sens moyen. Ok, je suis bien en train de record, Ok. Vous voyez, stun, je me suis fait toucher, c'est un stun garanti. Ok. J'ai pu esquiver sous son bras, pas mal. J'ai réussi à lui casser quelque chose. C'est pas son croc, je crois. Si, c'est ses crocs. Ok, il change de zone. Par là, c'est zone 5. Ok, il est juste à côté. Non ! Une méga potion dans le vide. Je voulais prendre une boisson fraîche. Oh, c'est énervé. On va aiguiser. On est reparti, il est là-bas. Okay, on va s'éloigner un peu pour pas qu'on ait près de le changement de zone. Ah, il fait des dégâts retombons, ça je savais pas. Viens par là le chat. Ah oui, c'est vrai que du coup, vu qu'on lui a cassé les crocs, son cri vous stun plus. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on a. Tiens, vous avez plus besoin de. Passe derrière lui, au moins on a le temps de se re... J'ai oublié de prendre mon timer, j'ai aucune idée de quelle heure il est, de combien de temps ça fait que je tourne.
pas touché, il va lancer une boule. Je me suis pas prise encore la grosse boule et j'ai pas envie de me la prendre, elle a l'air de faire pas mal de dégâts. Il est rapide. Je vais me faire toucher par les débris. Putain, deux fois de suite, enfoiré. Je rebondis sur ses pattes arrière. Pas ce que je voulais faire, je voulais esquiver au deuxième coup, mais je me suis loupé. Ok, gros boulet. Et je vais attendre qu'il ressorte pour me soigner. Fuck. Cet enfoiré là, il essaie de me... Oh, qu'est-ce que je t'aime pas. J'ai pas eu le temps d'esquiver. Mauvaise idée. Et c'est mon chat qui visait cette fois. Oh non! Oh là là! Et c'est le gros boulet. Il va s'enterrer. Je pense que j'ai le temps de me soigner encore une fois. Ok, dernier soin. Après, il va falloir que je combine. J'ai pris de quoi combiner. Alors, vous pouvez pas le faire sortir du sol hein, comme le Blancanga normal. J'ai pas réussi à le stun pour l'instant. Enfin, je tape pas la tête tant que ça. Bon, il s'est réussi. Mon chat, il est mort. Tu peux arrêter de faire cette attaque? Ok. Il me refaut de la stamina. J'en ai marre, stop! Crève! Disons. Putain, j'essaie de faire comme dans World à chaque fois, à charger mon marteau et le booster en appuyant sur A. Enfin, sur rond, du coup, là, vu que je suis sur PS, manette de PS5. Et là il va sûrement s'énerver. Pas encore. Putain, j'ai eu peur qu'il fasse son attaque où il recule. Ça m'aurait peut-être tué. Vise-moi ? Non, il vise mon chat. J'ai pas réussi à le faire tomber non plus en tapant ses bras. Ok, change de zone. Par là, c'est zone 6. Alors, qu'est-ce que t'as info ? Ça fait 20 minutes qu'on combat. On va combiner maintenant. Ok, ça va pour l'instant.
Ok, 9 méga potions. Est-ce que je fais un petit tour? Non, c'est bon. On va réguiser une fois. On va claquer une méga potion. Un stack à points. Et on est reparti. J'aurais peut-être dû prendre des poudres de vie là. Ça commence à être dur les quêtes. Ok. Ok, il a fait son fusil à pompe, on va l'appeler comme ça, les pierres écartées. Se mettre derrière lui. Ok. J'arrive à lui mettre des coups, mais bon. On se met derrière lui. Alors, ses pattes arrière sont dures, hein. Non, enfoiré, laisse-le me soigner. Ah, enfin, il tombe. J'ai essayé de m'aligner avec sa tête, ça m'a fait perdre un peu de temps. Ouais, bon, Skip, tu te fais pas toucher par sa charge si vous êtes vraiment devant sa tête. Boulet de canon, ouais. Shotgun, ouais. C'est comme ça que je vais les appeler. La grosse boule toute seule, c'est boulet de canon et. Et les 4 boules, les 5 boules, je vais appeler ça shotgun. Ok, il est retombé. Je vais essayer de me réaligner avec sa tête pour le stun. Ok, c'est le dernier coup qu'a stun. Wow! J'ai mon talent d'armure qui vient de proc là. Guts. Qui vient de me sauver la vie. Merde. J'ai changé de zone pour ça. Alors Gut, ça vous sauve la vie, ça vous empêche de mourir si vous êtes à plus de 60% plus de 60% de PV. Je sais pas si 60 de PV ou 60%, je sais plus. Ah, il est mort. Ça va, c'est pas trop mal passé. Choqué que ça s'est aussi bien passé. Alors du coup, bah voilà, Cooper Blanc Conga, il y a... Il est pas mal différent du Blanc Conga pas mal, normal. Il est... Ouais, c'est une sous-espèce sympa, mais bon, il fait pas grand-chose de plus. Genre, il y a... Alors ce truc nouveau, c'est qu'il saute, il saute en sortant du sol et il vous lance des... Il a des plus de patterns de boules. Là où Blanc Conga normal, vous lancez que des boules de neige, lui vous envoie différents types de rush à la gueule. Jouer avec son shotgun est pas mal chiant, mais bon, franchement, ça s'est bien passé. C'est de vrai. Donc, est-ce que j'ai eu quelque chose de bien? Alors, j'ai eu ces crocs. Bien, on va piner super les récompenses. Ça m'avait manqué les récompenses de Freedom Hit, là, où vous obtenez genre 3 items de monstres par quête.
Du coup, nous y voilà. On a terminé toutes les quêtes clés. Niveau G2. Donc G2 étoiles. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt pour la prochaine. Bye bye.